Coudon, le Canadien, es-tu avec une malédiction au niveau des blessures? Regardez encore la nouvelle qui vient de sortir. L'attaquant Christian Dvorak ratera le reste de la saison en raison d'une déchirure à un grand pectoral. Il sera opéré demain. Donc, ça veut dire que là, on vient de perdre Dvorak pour le reste de l'année. L'avantage là-dessus, c'est le seul avantage que je peux voir là-dessus, c'est que là, il va tomber sur la liste des longues blessures. Et son salaire de, si je me souviens bien, c'est 4,5 millions, on va dire, ne comptera plus sur la masse salariale. Donc, le Canadien a la porte ouverte pour faire une transaction. Et là, au dernier match, on sait que Josh Anderson a subi une blessure. Cependant, je vais vous montrer d'autres choses. Regardez notre ami Josh Anderson est sur la patinoire ce matin. Ça veut-tu dire qu'il va jouer le match ce soir? Il y a des très fortes chances. C'est une bête, ce gars-là, une chance. Ça nous le prend. Oui, en début de saison, j'étais un des ceux qui le plantait, qui disait qu'il était rendu mauvais, mais là, c'est un de nos meilleurs attaquants dans les derniers mois. Donc, ça nous le prend sur la glace. C'est surtout que là, on a un manque d'attaquants. On a juste 11 attaquants, puis là, on vient de perdre Dvorak pour le reste de la saison. Donc, c'est sûr qu'il y a un rappel qui s'en vient dans les quelques minutes ou heures qui s'en viennent. Moi, j'aurais une chose à te demander. Je veux savoir, quelle est ton opinion sur ce sujet, sur la blessure de Dvorak et sur peut-être la blessure d'Anderson, et qu'est-ce que le Canadien devrait faire pour essayer d'améliorer son équipe? Un échange, un rappel? Je sais pas, je te pose la question, laisse-la en commentaire, et surtout, fais trois choses. Like, partage, clique sur le plus, abonne-toi, tu vas dire maintenant, ça c'est épique, je m'abonne à Phil et ses commentaires sur le Canadien de Montréal!